parlé d'idée, quand elle a parlé le plus souvent de la nouvelle constitution, d'abord qui a fait ce qu'il y a même en deux parties pour représenter de l'idée, ça que vous êtes appelé. Bon, une nouvelle constitution, c'est un bail qui est en débat là depuis des années dans le pays. Et il y a un pile de monde qui prononce au souli, je dis à là, sans que je ne fasse pas une enquête, bien sûr, nous avons dit qu'il y a une bonne majorité de monde qui pensait que la constitution a changé. Mais le président, pour qu'on ne parle pas qu'à parler de changement de constitution, d'une nouvelle constitution, j'en les fait là. Une nouvelle constitution, d'ailleurs, une constitution, c'est Santa Cabrille ou un set de règles qui modulent comment le pays après le fonctionner, comment on va gérer le pays. Ben, ça, c'est pas le président pour compter, pour décider qu'il va faire une nouvelle constitution. Qui doit le président pour dire qu'il va faire une nouvelle constitution? Le pays n'est pas pour le président, il est pour compter. C'est vrai que le président, en tant que citoyen, Haïtien, ils ont parti dans le pays à tout. Mais c'est pour comprendre qu'il y a 11 millions de monde dans le pays. Donc, il n'y a pas refait constitution comme ça. Donc, pour refaire une constitution, venir une nouvelle constitution, ça demande un consensus suffisant à travers les secteurs clés de la vie nationale. Donc, ce consensus ça pour joindre. Et là, je vois un consensus, ça, nous avons dit, sur la base de ce consensus, nous allons déclencher, ça nous a cabrillé, la mise en marche d'un ensemble d'opérations qui doit aboutir à une nouvelle constitution. Je dis à la présidente, tu comprends que pas de monde qui a pas accepté ça. Ou pas le fond constitution qu'on y a là. Déjà, ou pas même bien crédibilité en un pays a suffisamment pour avoir confiance ça. Ou pas le fond une constitution qui n'en mesure bien où. C'est ça que tout le monde a interprété. Il n'est pas possible. Donc, je dis que le président Tekab dit il pensait qu'il y a une nécessité pour ta nouvelle constitution. Parce que, et les SAA, nous allons déclencher, ça n'a qu'à brûler une démarche pour rechercher un consensus à travers les secteurs clés de la vie nationale pour faire ça. Mais ce n'est pas pour déclarer carrément pour faire une nouvelle constitution. Il n'est pas possible. Donc, maintenant, si la majorité de la population ou bien la majorité des secteurs est importants, ou bien, pas près d'importants, qui aiment retirer moins importants, les secteurs de la vie nationale, d'accord avec l'idée, donc, les ça, nous, ensemble, nous prenons comment mettre une nouvelle constitution dans l'intérêt de la majorité de la population. Deuxièmement, on a dit, l'idée a déjà été traduite dans l'accord Mariotte là. Dans l'accord Mariotte là, dans sa nourrie feuille de route là, eh bien, l'idée là dans pour ces pétro-caribé, pour ces crimes assassinats qui fait tout, mais l'idée là dans aussi sa nourrie une conférence nationale. Et conférence nationale là, elle n'a pas abouti à une nouvelle constitution. Parce que une nouvelle constitution, qui pral gagne li, est-ce que c'est même régime politique ça pour nous kembe? Donc, gagne des discussions, gagne des débats qui te prévoit déjà pour une nouvelle constitution. Faut le président pas prendre comme si c'est lui qui vigne avec l'idée d'une nouvelle constitution. Non, l'idée a là depuis longtemps. Mais nous dit, c'est pas comme ça une nouvelle constitution pral fait. Nouvelle constitution, gagne des Santa Carelli. Et des éléments qui pourraient unir pour entrer dans une nouvelle constitution pour que ça ne va pas éclater dans le pays à une crise plus raide que ça vient là. D'accord, merci. Bonjour, pardon. Bonjour. Aujourd'hui, nous connaissons que Guinée, les palais qui a fait sur le niveau de la présidence, c'est ça qui vient avec la nouvelle constitution. D'après vous-même, qui êtes représentant au PL, d'abord, est-ce que pour nous-mêmes, nous, c'est une urgence? Pour une nouvelle constitution et qui j'en ont apprécié l'idée ça qui a prôné depuis bien quelques temps déjà. Ok, c'est vrai, depuis longtemps, ok, gagnant pour tout le monde, une nécessité pour que des corrections qui portaient dans la constitution 1987. Là. Et puis, gagnant des éclaircissements qui pour faire tout, d'accord. Cependant, nous-mêmes, dans l'OPL, nous toujours croyons, quelle que soit la constitution, qu'on gagne, texte qu'on gagne, c'est pas texte là, qui est important, c'est son application. Or, gros problème, non, c'est pas
constitution 87 ou constitution 87 amendée, c'est l'application de cette constitution. Et tout le monde a constaté, de 87 à aujourd'hui en 2020, conseil électoral permanent pas en place, conseil constitutionnel que vient ajouter la donne à partir de l'amendement pas en place. Pourtant, c'est des institutions importantes. C'était, m'a dit, un petit peu clé, ok, constitution avec les collectivités territoriales. Les collectivités territoriales, yo, ok, yo pas jamais fonctionnel, les assemblées pas jamais mettées en place. Donc, quelque part, il y a un manque de volonté des responsables, des dirigeants de ce pays pour pas appliquer la constitution, hein, ok, dans la vision que le gain pour te décentraliser le pouvoir, là, décentraliser les ressources, et puis faire en sorte que le dernier mot reste aux institutions. Par exemple, dans le conflit qu'il y a actuellement, une branche du législatif et l'exécutif, c'est le conseil constitutionnel qui a dû trancher sous ça, et voilà qu'il n'est pas présent. Donc, maintenant, il y a 2 ans, la Chambre des députés constituait une commission spéciale pour travailler sous amendement constitution de manière à ce que, comme constitution prévoit même, dans la dernière session de législature là, pour que pour être déclaré qu'il y a lieu d'amender la constitution, et voilà les points sur lesquels il faudrait que la 51e législature en rentrant vienne travailler sous lui. Malheureusement, élection pas faite. Alors que la constitution a une base fondamentale là-dedans, c'est qu'il y a des échéances précises, clés, que l'autorité doit respecter. Élection parfaite, ça vient mettre dans une situation difficile, parce que la constitution dit, mais qui j'en pour les amender. Mais maintenant, pas d'élection, ou pas de gagner réunion Assemblée nationale pour te donc présenter un amendement pour ta fête. Donc, voilà qu'on est là, nous coincés, puisque c'est ou bien ou t'en élection faite, ou pral gen ou l'autre législature nan fait l'autre législature là, ou bien qu'on y a là, t'as gagné un accord entre différents secteurs dans la société qui ont nécessité pour changer, amender, réviser la constitution qui pouvait être sa fête. Moi-même, je crois que la seule façon pour le faire, même si le président a déjà annoncé les pral, ou pas qu'à mettre un constituant en place comme ça, si ce n'est pas un accord politique. Donc, ce accord politique qui permet, ok, dans la décision qui sorti, les inclut changer, m'ta dit, mode de gouvernance paysan, changer organisation l'État, le ça n'a constitué un constituant qui peut permettre que ça fête. Encore, moi-même, moi, pense que, il y a certains monde qui dit et que la constitution ça, il n'y pas répondre à mœurs, nous, et que c'est comme si m'ta dit, nous pas fin parer net pour une constitution qui lui-même qui définit un mode de fonctionnement qui chita sous concertation, qui chita sous dialogue, qui chita sous négociation en tout temps, hein. C'est ça lié. Et par contre, pas qu'un peuple qui gagne ça, il est. Ok, démocratie, c'est un apprentissage que le peuple fait. Chaque jour, je dis, paraît, c'est-à-dire, modèle de démocratie, il y a 200 ans d'application. Nous-mêmes, dans l'histoire politique, nous, ok, c'est quelques embellis qu'on gagne, et presque toujours, c'est la concentration du pouvoir dans un petit groupe ou bien dans un monde. C'est la dictature qui traversait la vie politique, nous. Histoire politique. Non. Et moi, je crois que nous capables, comme tout peuple, ok, dans la mesure où élite, toutes les élites, comprennent la nécessité de changer de mentalité, de vision, de compréhension de l'État, l'État au service, et que la population, les citoyens particulièrement, ok, ils ont gagné compte à demander aux représentants qui ont été voyés. Et comme ça, moi, je comprends que avec une telle approche de la mentalité, je comprends que faut sortir dans la logique qui c'est une logique de rapport de force, ça gagne, il gagne tout, il écrase l'autre, en attendant que l'autre qu'on y a le constitué ti force dans ti complot et cetera pour renverser pour toujours non on comment on dit ça on cercle, OK, mais par contre constitution 86 87 là, il inscrit dans modernité, il inscrit dans un changement de l'État, changement qui t'a pas dit malheureusement nous pas appliqué. Donc pour moi-même, c'est un accord politique qui permettre que qu'on est là, nous aborder questions très bien. D'accord, merci. Ok. Carrefour a invité la presse matin, même les Carrefour, nous avons lancé 12e édition organisation Carnaval Carrefour. On rappelle nous depuis 2007, officiellement Carnaval Carrefour a été institué. Et mis à part 2010, c'est toujours chaque année, mairie de Carrefour avec Monde Carrefour et Patronat Lio, procéder à organiser plus gros événements culturels dans le pays, à Carrefour en particulier. C'est un événement que
qui institue Carrefour, qui a facilité la promotion Carrefour. Parce que Carrefour, c'est un bastion culturel. Je dis à Carnaval Carrefour, tu mets en référence et lui à 12e édition. C'est avec vraiment un pile cœur content que nous avons lancé 12e édition ça en matin. C'est nous avons un thème qui a tenu à l'initiative pour Carnaval Carrefour. Là, c'est on colle les épaules pour Carrefour qui a développé. C'est effectivement une adaptation du thème général, là, thème national, là, toujours fait chaque année, en conformité avec l'orientation générale que l'État baille. Ce qui sont carnaval dans le pays. Nous avons commencé avec l'animation pour le carnaval SEO dimanche 26, après trois dimanches pour le carnaval Carrefour. Alors pour le carnaval là, c'est dimanche 26 janvier, dimanche 2 février et dimanche 9 février. Date qui retourne pour le carnaval Carrefour là, c'est 15 et 16 février, samedi et dimanche. Et nous faisons un changement à Nessa par rapport à l'organisation carnaval là vendredi. Puisque nous connaissons l'école, yo, grand pile jour, yo perdu pendant le pays local. Et généralement, on a fait carnaval vendredi, toujours congé Carrefour. Nous pensons que l'année ça, nous pas qu'à sacrifier encore une fois des heures de cours pour les élèves qui ont déjà perdu en pile cours pendant 2 mois et demi environ. Donc nous décidons de faire carnaval là de manière exceptionnelle, samedi et dimanche, 4, 15 et 16 février. Pour réaliser carnaval ça, il y a des partenaires stratégiques pour nous. La police en premier. Et EDH, DINEPA, TPTC, c'est des institutions qui, sans eux-mêmes, nous ne pouvons pas faire carnaval Carrefour. Nous avons travaillé sur le parcours, là, des côtés qui crasent, c'est TPTC qui peut faire pour nous. Nous avons DINEPA, de l'eau qui est toujours là, il y a des gens qui vont arranger ça pour nous. Ensuite, EDH, sans éclairage, nous ne connaissons pas de possibilité pour le carnaval fête. Et à Nessa, le carnaval Carrefour a une autre connotation, puisque nous sommes passés sous Matissan, et un peu de monde Carrefour pense qu'il va risquer de prendre la rue pour le traverser. Surtout pendant dimanche, et ça fait, nous décidons d'aller ça, eh bien, faire carnaval là comme ça. Et nous avons besoin de 15 millions de gouttes pour faire carnaval Carrefour là pendant 2 jours. C'est ça que nous cherchons pour nous faire. Nous avons un char allégorique, qui cherchons un goût jazz, qui pour venir animer par cours là avec justement DJ Carrefour. Ordinairement, nous disons chaque année, DJ Bertin, Sound Design, Tony Mix, Dad Sound, qui toujours animé carnaval Carrefour là. Et année ça, l'année dernière, effectivement, c'était seul commune dans la région qui fait carnaval. De gagner jazz de venir, nous espérons aller ça. Ce qui fait l'année passée, il est assez parlant pour nous joindre deux gros groupes que le gouvernement, l'État, Kabay, le comité Kabay, pour faciliter que nous réussissions la 2e édition carnaval Carrefour. Là. Et 15 millions de gouttes, la mairie lui-même dispose pour col 2 millions seulement dans le budget. Nous. Et nous espérons que nous comptions pile sur le comité central. Là. Et ça a un exercice pour commencer à passer sur le chemin là. Nous invitons tout le comité central du carnaval, le gouvernement, le ministère de la Culture, pour porter support à la mairie de Carrefour. L'année passée, nous avons fait un gros bagage sur la ville, là, faciliter que le carnaval ait ça, ils ont une véritable réussite et l'aider à faire promotion pour des valeurs Carrefour, prêcher la paix, la stabilité dans le pays. Et nous connaissons la situation de prison à vivre dans le pays. Là. Mais le carnaval, là, c'est un moment culturel. Historiquement, nous n'avons pas passer sous silence. Moi, tout le monde a dit, mais pour qui ça, carnaval a naissance dans le pays par rapport à la crise? Mais attention, défoulement de la population est indispensable, surtout une population qui est traumatisée eh bien, par des cas de sécurité généralisés. Et nous pensons que c'est une bonne occasion pour nous avoir des jours de divertissement sur un événement d'envergure comme le carnaval. National comme le carnaval de Carrefour. Donc nous invitons tout le monde Carrefour, toute entreprise Carrefour, entreprise en bas la ville là. Et le monde dit qu'il y a un nouveau produit à lancer, il y a bien plus que 200 000 monde et son base cumulée sur Carrefour. Comme d'habitude, toujours grand pile monde dans le carnaval Carrefour là. Et nous invitons entreprise yo pour te coller pour te support pour nous. Et dimanche prochain, on a lancé dimanche carnaval là. Ouais, c'est 7 entreprises Carrefour qui peut-être ensemble cap sorti char et c'est un très bon signal. Côté que Moun Carrefour, entrepreneur, a commencé à approprier l'initiative carnaval. Encore une fois, nous remercions le comité A qui commence à faire préparatif. Et nous demandons encore une fois, Nabdil, participation financière, entreprise Carrefour en particulier, parce que nous connaissons qu'il y a plus de difficultés pour mobiliser fonds pour réaliser le carnaval ça en ça. Comme nous connaissons, carnaval Carrefour, carnaval n'a pas fait ça la police. Je remercie le commissaire Monod, commissaire municipal de Carrefour, principal de Carrefour, qui est là avec nous, qui parle avec nous sur les mesures qu'il déjà prend pour dimanche prochain, dimanche,
mais aussi pour deux jours gras qui programmés pour 15 et 16 février prochain. Merci, magistrat. Alors, en laissant encore la police dans quatre missions pour l'accompagner.